proposer sur la télé. Connais. Ouais, ouais, ouais. Bien quoi. Tranquille ou quoi, les gars? En forme? Ça dit quoi? Tranquille ou quoi, la veste? Tu sais quoi, ça, quoi? On dirait un parachute, arrête de lui mentir. Elle est morte. C'est comment, vous faites quoi, là? On a l'air. C'est quoi? Il y a 10 minutes, là. Qui? Toi? Arrête-toi, là. Lui, la barabame. Ouais, je t'ai dit, je l'ai marabe, il est par terre. Les gars, regardez. Va pas trop, les gars. Vérité, on dirait ton corps, Yakuma. Non, j'avoue, on dirait un mec de Defro. Non, toi, tu mets là comme92, commencement des problèmes avec les voisins d'à côté. Un grand détesté par les ennemis de l'autre cité. Tout ça pour une paire de quartiers. Mais gros là c'est trop, cette histoire a 20 ans passé. Mais les petits veulent en terminer. Du sort et là, le daron on trouve pleurer. Y'a plus de dialogue, c'est terminé. Et comment dire que si tu passes là-bas, tu vas te faire fracasser. Le regard froid, sourire de diable. Tout quand ça se croise au lycée. Mais la traîtrise est le meilleur allié. À la sortie, à se fait sauter. J'en dis pas plus, et vous verrez la suite. C'est le contraire d'un coup de fée. À la fois, je suis parti de rien, il a juste pris ses lunettes quartier. Pour rien, ça finit en histoire de quartier. Trop de fierté, prennent exemple sur leurs aînés. Lunettes quartier. Et toi le regard triste de nos darons juste pour ses lunettes quartier. Tu le défends mais ton nom remplacera pas le quartier. Trop de fierté prennent exemple sur leurs aînés. Lunettes quartier, lunettes quartier. Après se faire sa vatée devant son lycée. Il sort de l'hosto dans l'esprit de se venger. Mais jamais bêtement il attendra le bonjour. Bonne journée pour les faire en bas de leur tour. Ils l'ont piétiné mais maintenant c'est leur tour. Ils prennent une batte et deux ou trois outils tranchants. Plus déter que jamais pendant le trajet. Mon avis au téléphone et une tête de rageux. Ils en attrapent un au hasard. Une trentaine de coups de batte dans le museau. Ils s'en vont et sont fiers de leur coup. Mais dans la vie y'a pas que eux qu'on découille. Le retour de flamme a été imminent. Donc même pas le temps de ranger les couteaux. Mais les générales au milieu de la route. Et c'est comme ça que ça se passe depuis 20 ans. A la base c'est parti de rien, il a juste pris ses lunettes quartier. Pour rien ça finit en histoire de quartier. Trop de fierté prennent exemple sur leurs aînés. Lunettes quartier, lunettes quartier. Et toi le regard triste de nos darons juste pour ses lunettes quartier. Tu le défends mais ton nom remplacera pas le quartier. Trop de fierté prennent exemple sur leurs aînés. Lunettes quartier, lunettes quartier. Thank you.
Les petits sont plus déter que les grands. Des années que ça dure cette histoire de con. C'est trop pour eux veulent en finir dès maintenant. Ils ont coffré pour acheter le peu bon. La daronne contre son fils va à l'école. Traîne en bas de la tour avec son sac à dos. Papa a pris 20 ans depuis l'époque. Il n'a pas eu le temps de voir grandir son fiston. Et à force de traîner avec le gang, le petit au quartier s'est fait un nom. Il est dans le vol et la vente de drogue. Très malin, il n'a pas les flics à dos. Et c'est dans le QG que sa manigance. Cagoulé dans les mains une paire de gants. Il y va sereinement avec que trois potes. Malheureusement il sait pas ce qu'il attend. T'as coupé ton truc? Ouais. T'arrives là-bas à 16h. C'est simple. Tu fais gaffe que tu demandes un 20 balles. Il est obligé de te faire entrer dans le bâtiment parce qu'il n'a rien sur lui. C'est-à-dire que pendant que tu rentres dans le bâtiment, tu bloques avec son pied. Faut le piétiner, faut lui forcer à vous montrer. Il est où Tosma? Il est obligé d'avoir un endroit où il cache tout ça, t'as capté. C'est-à-dire que vous allez le suivre. Vous allez le forcer à vous donner tout ce qu'il a, l'argent, le bédo, tout, vous prenez tout, on fonce, on prend tout ça, on fonce, on rentre ici tout le monde à 17h. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On fait ça, carré, carré, vas-y. C'est parti de rien, il a juste pris ses lunettes quartier. Pour rien, ça finit en histoire de quartier. Trop de fierté, prennent exemple sur leurs aînés. Lunettes quartier, lunettes.
ça. Et toi, le regard triste de nos darons, juste pour ces lunettes quartier. Tu le défends, mais ton nom remplacera pas le quartier. Trop de fierté, prennent exemple sur leurs aînés. Lunettes quartier, lunettes quartier. Dans l'actualité, la mort du jeune Marvin Degbélé, 16 ans, secoue la cité des 4000 qui subit quotidiennement les soubresauts d'une guerre entre deux quartiers. Élément surprenant dans cette affaire, William Degbélé, père de la victime, serait à l'origine des tensions qui perdurent depuis 20 ans à la suite d'un fait divers trivial, le vol d'une paire de lunettes quartier. Les maires des deux cités voisines se réunissent aujourd'hui pour une marche blanche et se mobilisent pour lancer un appel à la paix. Réfléchissez! Réfléchissez, bon Dieu, avant de poser des actes irréparables! Quand un de nos enfants perd la vie, quand un frère ôte la vie à son frère, nous, maman, nous avons une partie de nous qui meurt aussi. Deux familles sont détruites! Celle du tueur et celle du tué. Avec les voisins d'à côté, à grand attesté par les ennemis de l'autre cité. Tout ça pour qu'une paire de quartiers. Mais gros là c'est trop, cette histoire a 20 ans passé. Mais les petits veulent en terminer. Du sort.